Nous arrivons les quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur. Nous arrivons les quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine. Nous avons offert simplement ton amour, Seigneur. Nous arrivons les quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Arrivons les quatre coins de l'horizon dans ta maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes le lundi de la quatrième semaine ordinaire à. Sœurs et frères bien-aimés, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, oh pitié. Pour tes gens de bien, mais ressemblant si fort aux pharisiens, au Christ, oh pitié, au Christ. Célébration eucharistique, nous prions l'action de grâce avec et pour les bienfaiteurs et les bienfaitrices de la paroisse vivant en Haïti et à l'étranger. Action de grâce pour les religieux et les religieuses qui sont sur la paroisse. Action de grâce pour chaque personne ici rassemblée. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, versets 32 à 40. Sur la puissance de la foi, que dire encore? Le temps me manquerait pour donner des précisions sur Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Par leur foi, ils ont vaincu des royaumes, pratiqué la justice, obtenu ce que Dieu promettait. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé aux tranchants de l'épée, retrouvé leur force après la maladie, montré du courage à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé, ressuscité leurs enfants qui étaient morts. Mais certains autres ont été torturés et n'ont pas accepté leur libération, car ils voulaient obtenir quelque chose de meilleur, la résurrection. D'autres ont subi l'épreuve de la moquerie et des coups de fouet, des chaînes et de la prison. Ils ont été lapidés, sciés en deux, massacrés à coups d'épée. Ils ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de toison de chèvre, manquant de tout, harcelés et maltraités. Mais en fait, c'était le monde qui n'était pas digne d'eux. Ils vivaient ça et là, dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les cavernes. Et, bien qu'ils aient tous reçu le témoignage de Dieu à cause de leur foi, ils n'ont pas connu la réalisation de la promesse. En effet, pour nous, Dieu avait prévu mieux encore, et il ne voulait pas les faire arriver sans nous à la perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble le psaume 30. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez dans le Seigneur. Ensemble. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez dans le Seigneur. Ils sont grands, tes bienfaits. Tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la façade du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez dans le Seigneur. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez dans le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Ton amour a fait pour moi des merveilles dans la ville retranchée. Tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez dans le Seigneur. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez dans le Seigneur. Acclamation. Alléluia, glorifions le Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Alléluia, alléluia. Alléluia, hey.
Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Exaltons le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Il est avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 5, verset 1 et suivant. Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus descendait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit mauvais sortit du cimetière à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria de toutes ses forces : Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me fais pas souffrir. Jésus lui disait en effet, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom ?» L'homme lui répond, « Tu m'appelles Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchaient sa nourriture. Alors, les esprits mauvais supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Alors, ils sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils s'étouffaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé et devenu raisonnable, lui qui avait eu la légion de démons, et il fut saisi de crainte. Les témoins leur racontèrent l'aventure du possédé et l'affaire des porcs. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de partir de leur région. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre chez toi auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors, cet homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers internautes, chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio-télé Altagrâce, sœurs et frères dans le Christ, bonjour. J'en ai.
avec Jésus n'a kembe. Ses frères, Saint-Marc situe ce récit au pays des Géraséniens, à l'est de la mer de Galilée. C'est la première rencontre de Jésus avec les païens. Par ce récit, Saint-Marc veut montrer que la puissance du salut n'est pas limitée. Jésus n'est pas venu seulement pour les Juifs, mais il est venu pour sauver l'humanité. Jésus est venu pour sauver tout homme, pour sauver chaque homme, pris dans sa condition de maladie, de possession diabolique, etc. L'évangile du jour nous aide à comprendre combien la parole de Jésus est puissante. Sors de cet homme, les esprits mauvais obéissent. Chers frères, les démons attaquaient l'homme pour que la puissance de Jésus soit manifestée, afin que les païens, les étrangers, ceux qui ne connaissent pas le Christ, ceux qui avaient l'habitude d'adorer les faux dieux, parviennent à la conversion, à la connaissance du vrai Dieu. Chers frères, ça qui était intéressé Jésus, c'était Négla. C'était Monsieur Ya qui était au CDA. Priorité Jésus, c'était libérer Monsieur Ya d'ap souffri. On est capable d'imaginer dans quelle qualité souffrance Monsieur Sa a été. Il y a une légion dans la tête, un paquet de démons. Il est sorti dans le cimetière, il est violent. Il y a des gens qui sont capables de maîtriser. Il marie monsieur avec chaîne, les démons ont brisé la chaîne. Il marie avec code, il mange le code là. Ça veut dire que Nexa, vraiment, la situation est vraiment catastrophique. Et heureusement, pour Nexa, Jésus a passé dans la zone là. La Bible a dit non. Les démons ont Jésus de loin. Ils ne pas que même arrivé près de Messie, les démons ont bouleversé, ont paniqué. Ils ont dit Jésus, ne fait pas faire nous souffrir, puis ne fait nous ça qui mal. Parce que vous connaissez Jésus qui a un pouvoir sur vous. Vous tombez à genoux pour adorer Jésus. Ouais, c'est le malin. Hein, oui? Le malin est risé. Vous tombez pour adorer Jésus. Eh bien, Jésus dit, yo, fais bouche, non. Sorti dans monsieur, ya. Eh bien, te gagnons un troupeau, porc, un paquet de cochons. Eh bien, démon dit, Jésus, voyez-nous dans cochon, yo. Jésus dit, yo, nous mettons à aller. Cochon, yo, yo la ricor, yo, nan la mer. Alors, il y a qui dit, cochon, c'est mauvais bête. Cochon, c'est un bête qui est impur. Juif, yo, côté cochon passé, yo pas passé là. On met tout yon juif de bon côté on cochon te passer juif la pas gen droit passer là parce que juif pas dans se coller avec cochon à cause qui ça à cause passage l'évangile ça côté Jésus te chasser démon et te voyer dans cochon yo mais cochon ça yo yo pas continuer vivre la bible a dit non cochon ça yo yo te al lagé corps yo dans la mer yo te péri ça pas veut dire tout cochon impur juif yo aller plus loin. Il n'a pas mangé viande cochon. Il y a une religion qui n'a pas mangé viande cochon. Sans nul doute, c'est sur le même texte ça, il est basé, où il dit cochon, c'est bête qui n'est pas propre, c'est bête qui est impur, il n'a pas dansé collé avec bête ça. Premier, c'est mieux. Parfois, une situation qui arrive dans la vie, c'est pour gloire à bon Dieu, capable d'éclater. Parfois, une situation qui arrive dans la vie famille, c'est pour gloire bon Dieu capable d'éclater. Parfois, quand on a souffert, eh bien, bon Dieu pourra le servir avec souffrance ça pour le convertir bien des cœurs.
Parfois, quand on proche ou qu'on souffre, qui est en difficulté, eh bien, bon Dieu servit avec souffrance ça, avec difficulté ça, pour le convertir bien des cœurs. Parce que bon Dieu est capable de tracer droite sous ligne qui courbe. Pas rien qui est impossible pour bon Dieu. Dans toute situation, c'est faire bon Dieu confiance. Je ne sais pas demander, monsieur, depuis qu'il a été malade, depuis qu'il a possédé, ou des parents qui possédaient déjà, non. Et bien, ça qui intéresse Jésus. Ce qui intéresse Jésus, c'est libérer le monde. C'était intérêt Jésus, ça. Le plus souvent, intérêt yo pas toujours même. Intérêt moun yo, foule moun yo, intérêt population, intérêt moun qui t'a occupé cochon yo, c'était cochon yo. C'est pas chasser des moins pour moun non. Même si Jésus chasse des moins pour moun yo, c'est vrai que ça t'est bouleversé en pile moun. Mais monsieur yo qui t'a gardé cochon yo, ça pas dit yo grande chose non. Au contraire, yo chasse Jésus dans zone non. Yo dit Jésus mon cher, perdu pio là papa. Hein? Ou bien faire nous perdre du cochon nou yo. Hein, ou chasser des démons, voyez ce cochon nou yo. Ou bien faire nous perdre 2000 déjà. Mon cher, retirez quoi là. Ou chasser Jésus dans zone non. Frères et sœurs bien-aimés, ça qui intéresse c'est Jésus, c'est moun. Dans toute situation, c'est moun avant tout. Dans toute situation, c'est apprendre valoriser moun. C'est moun avant tout. Ou ka gen kaisa plein l'argent américain. Plein de dollars US, bon dollar. Et pourtant, flemme passe dans tout néon devant Kaye l'argent. Il n'y a pas faire rien pour vous. Vous voyez? Ou pas qu'à dire 1 million de dollars. Mon cher, déplacez non. Al pon ti goud de l'eau, vin passe dans le visage moi. Et pourtant, yon ti moun 5 ans qui bon côté ou capable de sauver ou. Et quand elle prend de l'eau, une passe dans le visage ou pour retirer ou dans mauvaise situation. Alors, c'est moun avant tout. C'était au cœur de la mission de Jésus. Se trouve l'homme. L'homme pris dans sa situation de misère. L'homme pris dans sa situation de pauvreté. L'homme pris dans sa situation de maladie et de possession diabolique. Chers et frères bien-aimés, dans la célébration de la messe, aujourd'hui, nous la prière. Nous demandons, bon Dieu, comme être là, pour les aider nous. Aidez-nous pour nous apprendre à considérer le monde. Aidez-nous pour nous apprendre à valoriser le monde. Et de nous, pour nous apprendre à mettre le monde avant tout. C'est l'homme. L'homme pris dans sa situation, quelle que soit sa situation. Que le Seigneur nous vienne en aide, afin que nous soyons armés de force et de courage pour aller de l'avant malgré les difficultés. Amen. Seigneur,
accepté. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Sanctus est le Seigneur, Sanctus le Seigneur est saint. Sanctus, le Seigneur est saint. Béni soit son Seigneur, de l'aurore jusqu'au soir, le Seigneur est saint. Chantons ses merveilles, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, Sanctus, c'est le Seigneur, Sanctus, le Seigneur est saint, Sanctus, c'est le Seigneur, Sanctus, le Seigneur est saint.
la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Bien, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui nous t'offrons ce sacrifice. Souviens-toi des défunts de notre communauté paroissiale. Souviens-toi des défunts de nos familles. Souviens-toi des personnes tuées dans l'insécurité en Haïti. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les personnes qui célèbrent un événement heureux dans leur vie. Olafan et Simone César, qui célèbrent leur anniversaire de mariage, sur les membres du groupe chrétien en prière GCP, qui célèbrent leur anniversaire de fondation, sur Anaël, Grâce Moïse, sur Annette Pierre, Fatima Christina Roland, Franchette Thérèse Martine Rameau Antoine, Marie-Carmel Vertus, Michel Rony Schneider, Reynold Payot, Ruby Joseph, Schiller Devan Rosarian, Sylvie Thiadem, membre du groupe Les Enfants de la Vierge Altagrâce,
Yola, Mathias, Balthazar, le révérend père Patrick Plaisival, Rosette René, Iva Dessin, Télius Bélizère, Jean Dany Mémé, qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Nous implorons ta bonté sur les personnes qui ont recommandé cette messe. Nous implorons ta bonté sur les fidèles auditeurs et auditrices de la radio-télé Altagrâce qui participent à cette célébration eucharistique à travers les réseaux sociaux YouTube et Facebook. Nous implorons ta bonté sur les bienfaiteurs, sur les bienfaitrices de la paroisse vivant en Haïti et à l'étranger, sur les religieux et les religieuses qui sont sur la paroisse. Nous implorons ta bonté sur chaque personne ici rassemblée, sur nos parents, nos amis, sur tous ceux et toutes celles qui se recommandent à nos ferventes prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame d'Altagrâce, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Jean, Marie Vianney, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Pour lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et selon la volonté du Sauveur, ouvrons nos cœurs et nos mains pour prier en toute confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre cher Haïti bouleversé. Donne la paix à tous les Haïtiens. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons qu'il se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, oh pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, oh pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces et de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Priez.
Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire de mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Jésus, venez boire son lit, nous tous baptisons un meilleur. C'est Jésus qui a pris nous pour nous venir manger en aller. C'est moi, mais Jésus a pris en aller. J'ai corps Jésus-Christ pour mes forces. Puis manger encore Jésus, puis les voies sont libres. Nous tous baptisons un meilleur. C'est Jésus qui a pris nous pour nous vite manger en aller. Tu me rends le goût de chanter.
quand je me dis que sera demain, tu me rends le goût de chanter. Merci, merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Tu me rends le goût de l'amour. Même quand j'ai peiné du matin au soir, tu me rends le goût de chanter. Merci, 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 merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci, merci Seigneur, tu me rends le goût. Plus beau que soleil au couchant, tu me rends le goût de l'amour. Même quand se fait loin l'âme qu'on attend, tu me rends le goût de chanter. Merci. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Un joyeux anniversaire à tous ceux et toutes celles qui célèbrent un événement heureux dans leur vie. Olaf et Simone César qui célèbrent leur anniversaire de mariage. Les membres du groupe GCP qui célèbrent leur anniversaire de fondation. Joyeux anniversaire de naissance à Anaël, Grâce Moïse, Annette Pierre, Fatima, Christina Roland, Franchette Thérèse, Martine Rameau Antoine, Marie-Carmel Vertus, Michel Rony Schneider, Renold Poyo, Ruby Joseph, Schiller Dave Rosarion, Sylvie Sadem, membre du groupe Les Enfants de la Vierge Altagrasse, Yula Mathias Balthazar, joyeux anniversaire de naissance au Vérand-Père Patrick Plaisival, joyeux anniversaire à Rosette René Iva Dessin, Télius Bélisère, Jean-Dany Mémé. Joyeux anniversaire à tout l'autre monde qui a célébré un événement heureux dans la vie et que nous n'avons pas écrit dans l'espanois, mais nous avons écrit dans le cœur bon Dieu. C'est vous, bon Dieu, qui mettez la bénie, c'est vous le faire rejoindre ça qui est nécessaire pour la vie quoi et la vie non yo. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, c'est vous bon Dieu, bénis-nous, c'est vous bon Dieu, de Jésus se trouve l'homme.
L'homme prie de sa situation de misère, de pauvreté, de maladie et de possession diabolique. Et nous-mêmes, que représente l'homme dans notre vie de chrétien? C'est qui importance nous gagne pour nous? À nous apprendre à nos valeurs, à nous apprendre à considérer le monde par rapport à tout l'autre bagaille. Bonne journée à chacun et chacune de vous, surtout union de prière. Merci. Merci. Père. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus tout seul.